Salut à tous, Salgo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur notre défi Titan Quest, 0 mort 100%. On était arrivé à la forêt hercienne de l'acte 5, en route pour Globergue. Globergue, là où vit le roi, je sais plus son nom, mais dont on a vu la fille en Grèce. Pas de off toujours. Ok, pas trop jouer en off, rien de spécial du coup à dire. Mais je crois qu'on avance bien. On est franchement bien. Oh, d'accord. Passage secret ici. Toujours avec notre magnifique casque qui nous ajoute plus 5 en moustache et plus enfin et moins pouf moins beaucoup en mana aussi avec la corne. Voilà, allez, avec j'en parle. Hop, parfait. En ligne. Mais non, sinon on est bien. On va pas à se plaindre. Ici. Erreur. Les troules. Une corne qui a servi à rien. Et des vers des cryptosomes montants, ça fait depuis acte 2 du coup. Depuis l'Egypte, hein. Ça fait pas manquer. Ah, un héros, Pestaleville. C'est vrai qu'il est souvent là, lui. Ah, du moins, il est souvent dans des grottes. Mais je me souvenais pas qu'il était. Il était pas ici, du moins. Oh, voilà, un héros roi. Un héros roi, c'est dur à dire. Héros roi. Hop, c'est fait. C'est un piège. Ouais. Alors comme j'ai bien baissé le son, j'entends un peu moins quand les pièges s'activent. Il y a du monde. Oula. Ouf. Ah, il m'a touché avec son gros caillou. C'est que les cailloux étourdissent mais font recharger le cooldown. Ah, ça on va le prendre. De des sorts. Moi, comme déjà mon clic gauche, mon deck principal, c'est un sort entre guillemets. Ben, c'est plus actif le temps que ça se recharge. On va prendre les potions. Hop. On va faire le tour du proprio. Ils viennent tous en famille là. Oh, ça lague un peu. Hein. J'arrive pas à les toucher. Ok, y a rien. Bah, qu'est-ce qu'il fait là lui? The fuck? Ah, il devait être dans le camp et ok. Eux plutôt. Oh, pas oublier aussi de dropper. Les griffes de loup, là, ce serait cool. C'est pas comme si je pouvais en arracher une ou deux sur leur corps. C'est violent quand même. Ouais, pas grand-chose. C'est pas grave, on profite de cette forêt bien sympathique, n'est-ce pas? J'ai l'impression que là, ouais, on va peut-être monter un peu le son quand même. Ouais, peut-être la musique. Les voix, on s'en fout. Voilà.
C'est un peu mieux. C'est léger, mais c'est mieux. D'un côté il pleut, de l'autre côté il pleut pas. C'est trop fort. C'est la Bretagne, quoi. Quand on passe de la Bretagne à... au reste de la France. Non, bien sûr que non. Ce sont de bons gros clichés. J'ai moi-même été cramé en été en Bretagne, alors. On va arrêter de dire qu'il pleut tout le temps, hein. Alors, non? Y a rien là-bas? Si. Hop. Il y a du monde. Oh là là, c'est du. C'est d'action RPG, enfin. Oh là, ils arrivent à l'infini. Mais non, il y avait du monde, je sais pas ce qu'ils foutaient, mais. Ah, ce qui me fascine aussi dans le jeu, c'est que. Soit c'est les ennemis, c'est des mâles, soit des femelles. Moi qui ai aussi des femelles dans les trolls, mais vu les voix, alors comment ils font pour se reproduire, je ne sais pas. Spriggan, Spriggan. Il y en a aussi dans Skyrim aussi, mais ils ont pas la même gueule. Clairement pas. Dans Skyrim, dans Oblivion aussi. Pas non plus lancé que des fleurs à Skyrim. Hein. Ah, le camp des trolls. Ah, il y a une quête secondaire à activer. Oh, ça lag de ouf. Bah, lui, il balance son caillou. Contre le décor. Il y a une quête secondaire à activer. Alors, oh, fait... ouais, bah oui, passe bien derrière. Bah, oh là là. Allez, on va aller l'activer. Une quête donnée par un druide. Non pas... Panoramique, je sais plus son nom. Ah oui, Artebuds. Le grand druide Artebuds. On va combattre un colosse des bois, je crois, avant de le croiser. Trop chiant. Du moins, c'est des sacs à PV. Ah non, bah non, j'ai rien dit. C'était. C'est random. Artebuds. Artebuds. Bien le bonjour. Bien le bonjour. Que faites-vous donc ici, au plus profond de cette dangereuse forêt? Oui, non, c'est pas dangereux. Je m'appelle Artebuds, druide du cercle Dunberg. Je connais bien cette forêt. Et je suis l'ami des nombreuses créatures qui y résident. Sauf les trolls, bien entendu. Ceux-là, ce sont de sacrés numéros. Mais ce n'est pas très difficile de les éviter ou de les effrayer. Sauf qu'hier, le troll le plus grand que je n'ai jamais vu est venu renifler sous mon arbre pendant que je coupais mon gué. J'ai attaqué sa main avec ma faucille quand il a commencé à s'approcher. Mais il n'a presque rien senti. Heureusement qu'il avait l'air d'aimer les objets dorés. Il me l'a arraché des mains, puis il avait l'air tellement fasciné par la lame qu'il m'a totalement ignoré et qu'il est parti avec. Vous n'auriez pas vu ma faucille par hasard? Je me doute bien que non. Ce monstre l'a certainement emporté dans son affreuse tanière. Eh ben, on va aller dans son affreuse tanière. Et le truc, c'est que, en fait, c'est dans le campement des trolls, cette tanière. Midi, mais j'écoute l'OST en même temps, mais on est même pas obligé de passer par sa grotte. Alors, genre, tu traverses son camp, tu es même pas obligé de le combattre. Lui, hein. D'Andorre, bon, forcément, vous doutez que des trolls on va en croiser. Hein. Ah, encore une majesté de Serumnos.
Je sais pas si ça va nous servir. Alors je sais que dans cet acte 5, il y a un artefact qui est extrêmement craqué et je l'ai... J'avais gardé longtemps dans mes anciennes parties. En gros, ça vous permettait... ça vous ajoutait aucun bonus, mais ça vous permettait d'invoquer un Doppel... attention, je vais le fourcher. Doppelganger. Ganger. Enfin, en gros, un double. Un double de vous. Ce qui fait que ben, c'est complètement craqué, quoi. Complètement. Alors après, est-ce que c'est en mode normal, on peut le débloquer? Je suis pas sûr. On a vu, ça doit être dans le Epic. Franchement, c'était extrêmement craqué, hein. Ça m'a bien aidé. Même si, bon, ça m'a pas permis de faire zéro mort dans toutes les difficultés. Mais ça m'a permis de baisser à peu près à une vingtaine de morts en faisant les trois difficultés. C'est cool. C'est extrêmement craqué. Je sais plus le nom. C'est pas l'os de Seider. Oh, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Peut-être qu'on va le ramasser, mais comme je dis, je suis pas sûr que cet artefact là soit dans le mode normal. Ce serait quand même assez claqué au sol. Le temps que t'arrives, frère. Briseur de troll. Défense de troll, on va la prendre. C'est droppable que sur les grands. Hop. Parfait, ils sont alignés. Ils le sont plus, ils sont alignés, ils sont plus. Ça y est. Et y a rien. Bon, c'est pas grave. Ouf. Pas grand chose. Allez, on va voir Dandor. On va trouver des trucs intéressants. Dans son coffre. Bon, c'est long. Ah, voilà. Alors, ici on n'a rien. Si. Je sais pas si on aura besoin de l'étendard. Je vois ses attaques. Il va falloir esquiver. Ouais. Là déjà celle-là. Hop là. Il envoie du poison. Non, pas besoin. Non, esquive. Non, esquive. Hop là. C'est bien qu'il y ait une rage de combat qui s'active. Il fait masse dégâts. Hein. Après, j'ai pas de résistance aux dégâts physiques, donc... Par contre, tu m'as raté, c'est complètement con. Oh putain, il fait mal. Hein. Putain, il se bat avec un arbre. S'il te plaît. Voilà. C'est fait. Non, là-dedans il y a la faucille. Ceinture dorée. Ah non, c'est pas ça. Mais ah, c'est peut-être avec ça qu'il faut faire l'artefact. On va la prendre déjà. On n'a pas d'équipement, mais on a au moins un artefact. Ceinture dorée. Essence d'Atoson d'or, lumière de Belenos, courage de Sigurd. Ah non, mais c'est pas compliqué à craft ça. Il suffit juste de trouver les deux derniers. Courage de Sigurd et truc de lumière de Belenos. Ah, c'est possible que ouais, on est. Oh, un élan. Était c'est lent en Europe du Nord. Je sais pas. Les professionnels de National Geographic pourront répondre. Et on aime faire demi-tour. Merde. Oh, quoique, il aurait pu passer de l'autre côté. Ah là là, les allers-retours. Je m'étonne qu'il y ait une bonne durée de vie hein, quand on fait le 100%. Faire des allers-retours comme ça, ça fait super plaisir. On prend du plaisir.
Allez, tiens, Artebuds. Vous avez retrouvé ma faucille dorée dans la cave de ce troll? Et vous l'avez et tué. Vous l'avez tué? Partoutatis. Partoutatis, vous êtes incroyable. C'est moi, Astérix. Laissez-moi voir ce que je peux vous donner en récompense. Ça juste de Diogène. Ouais. Quand il y a Diogène, ça m'intéresse pas parce que c'est l'intelligence. Ah, d'accord. Bon, d'accord. C'est pas mal. Partoutatis. Hop, hop, hop. Où est-ce qu'on va après le camp? Parce que l'auberge, on n'y est pas encore. Hein. Il y en a ses plots. On va traverser la forêt dense. Allez, les petits derniers là. On va encore en croiser plus tard, mais. Les derniers du camp. Allez. Ouais, ça aussi, on va en avoir de plus en plus besoin. Vivement que je trouve quelque chose pour dropper, enfin pour dropper, oula, pour absorber la l'énergie. Parce que bon, avec cette saleté de corne qui s'active au pif, c'est chiant en fait. Et donc c'est dans cette forêt que se cache donc la zone secrète de l'acte 5. Comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, il me semble. Mais je le répète, parce que j'aime bien. J'aime bien répéter, hein. Allez, colosse des bois. Colosse de bois, pardon. Pas de musique? Voilà, des Spriggan, on va en croiser pas mal. Je sais qu'il y a une. Il y a un héros Spriggan. Spriggan, j'arrive pas, je sais pas. Qui, si je dis pas de bêtises. Invoque des. Plutôt que d'invoquer des petits, invoque des gros sprigants. Croûte chauve-souris, on en a plus. Bon, écoute, on va le prendre. Je sais pas si on en a besoin. Scolopendre géante. Au-dessus, on a les rois scolopendres. Véridique. Parce que, apparemment, il y a peut-être de la hiérarchie dans les scolopendres, je sais pas. En tout cas, ils sont bien gros, hein. Par contre, où est-ce qu'elle est cette zone secrète? Je sais plus parce qu'elle est planquée. On la voit pas, on voit pas le chemin sur la boussole. Waouh. Peut-être ici, non? Non, c'est pas là. J'ai même pas fait en entier cette zone secrète. Je sais pas pourquoi. Pas l'intérêt, peut-être. Alors que bon, je pense que ça peut être sympa de la faire. Enfin, pas en vidéo, mais. Quand on joue Titan Quest, ça peut être sympa. Donc, c'est vrai que la zone secrète de l'acte 4 est sympa. Parce que je sais plus si j'avais dit tous les mobs portent. Enfin, tous les mobs de cette zone portent le nom d'un des développeurs, par exemple. Enfin, d'un des membres de l'équipe. Si je dis pas de bêtises. Ils ont tous des noms. Et dans cette zone secrète là, j'ai pas de souvenir du genre de petits détails sympathiques. En tout cas, la quête pour obtenir la clé, donc avec les morceaux de sort qu'on trouve un peu partout dans le jeu, c'est assez sympa, je trouve. Trouver des objets un peu éparpillés dans tous les actes, c'est sympa. Comparé au Seigneur pour la zone secrète de l'acte 4, où il faut dropper sur Hadès, combattre en boucle, pour avoir une chance de l'avoir, cet item, c'est trop chiant. Parce que c'est. Non, juste pour le fun, hein, juste pour l'histoire. La zone secrète, ça peut être sympa de la retrouver. Ah! Hache massive. Non, c'est pas là. Merde, je pensais. Ça doit pas être loin de la sortie. C'est
saleté. Allez pas me dire que oh les araignées ça fait peur hein. À mon avis des bestioles pareilles de cette taille ça doit bien faire flipper IRL aussi bien. Hein. Ça n'existe pas. Enfin les scolopentes si mais pas géant. Les araignées, c'est vrai qu'on en croisera. Ah, si on en croisera plus tard, c'est vrai. J'allais dire on en croisera plus, mais. Ah. Merde. Voilà, mais. On doit pas être loin. On y pense. Non, c'est peut-être là-bas, ouais. Merde. Et on n'a pas encore fini d'explorer ici. Hein. Ah, si c'est bon. Voilà. Merde. Il est où le chemin? Où est là? Voilà. Plein de petites grenouilles. Voilà. Bon là forcément on peut pas y rentrer. Passage de la prime vert. Voilà. C'est ici, cette fameuse zone secrète. Donc ici dans la forêt dense. C'est pour ça sur la. Sur la carte on voit pas très bien. On s'est fait exprès hein, mais. Voilà, on voit, ouais. On va avoir du mal à le discerner quand même. Voilà, on va sortir d'ici. On espère que ça lag pas trop. Parce que vu les. vu tout ce qu'il y a affiché, moi de mon côté, enfin sur le jeu, ça. Ça rame un petit peu quand même. Hein. J'espère que sur le record, ça va le faire. Parce que moi, ça m'embête de faire des cuts. T'en profiter à fond du jeu, quoi. On devrait bientôt arriver à Glauberg. J'ai toujours pas looté plus de griffes de loup que ça. Ah non, non, bah non, on est encore loin. Là, on va arriver au Rhin, voilà. J'allais dire, j'allais fourcher avec la vallée du Rhin, mais. On va combattre ces saletés. Ça, c'est chiant comme j'attaque à distance. Parce que du coup, si elles me touchent avec leur rayon de glace, là, je perds de la précision et je vais jamais les toucher, moi non plus. Ça va être compliqué. Enfin, le grade au-dessus est encore plus compliqué. Ouais. Encore une défense de troll, c'est parfait ça. Comme je leur fais des dégâts continus, c'est cool avec le saignement. Non. Non, tu vois pas. Oui, il a lancé un sort, il a lancé là, j'ai pas compris. Je sais même pas quel sort c'était d'ailleurs. Châle de troll. Hein, un petit châle. Pourquoi pas. On peut être un troll, avoir... être coquet. Qui suis-je pour juger un troll? Je sais plus le nom des grades au-dessus, enfin. D'Enix. On va en croiser, hein, c'est quasiment sûr. Ah voilà. Les. Sivisken. Sivisken. Bon, mais j'arrive à les toucher facilement en fait. Après, plus elles vont être, et moins c'est compliqué. Moins ça va être facile, pardon. Oh là là, je ne trouve plus mes mots. Non, ça va. Perfection. Voilà.
Rien ici. D'abord. Ouah. Oh, waouh. Du coup, c'est du dégât de glace. J'ai peut-être pas de résistance. Ça. Oh la merde. Ah non. Ah, ça, c'est un objet qu'il confère, ça. Non. Waouh. Du soin. J'ai pas fait gaffe. Waouh. Eh, ils sont plus que 3, allez. Waouh. 40 de résistance à la glace, c'est pas vrai. C'est nul du coup. Contre ça. Eh, ça fait mal. Hein. Ça fait mal, dis donc. Sus Onyx. Sus Onyx. C'est dégueulasse. Faut le dire, faut bien le dire alors. Sus Onyx. À Balénix, ouais, on va dire ça. C'est horrible. Alors on va combattre aussi les nouveaux humains. Les nouveaux ennemis humains plutôt. Guerrier Corbin. Mais bon. Votre voyage s'arrête ici. Oui, non, pourquoi? Arrêtez-vous. Oula, ça lag. Nous sommes les guerriers Einherjar. Ah, la garde personnelle de Vodan lui-même. Nous avons un message à vous adresser. Il ne veut pas que vous vous mêliez de ses affaires. Et où? Alors partez d'ici et retournez de là. Lui, il a la chance, il peut utiliser une lance et une épée. Ce sera donc la mort. Voilà. Espèce de... Voilà. Les guerriers Corbin. Ah, ça fait penser qu'ici, on va terminer la quête que nous a donné celui à Corinthe, là, le vieux. Il fallait retrouver son espion. Ah, on est déjà là, il est là, bah voilà. Il est mal en point. Hein. À vrai dire, je suis pas sûr qu'il respire encore. Il a vraiment la tête dans le sol. Il embrasse la pierre. Donc, du coup, on va retourner à Corinthe. Il va nous donner un artefact. Les doublages des morts. C'est extraordinaire. Allez, retour en Grèce. À Corinthe. Ah non, il est là-bas. C'est pas Phèdre. Oh, je ne sais plus. Si. Trévéros est mort. Bah ouais, désolé, frère. Voilà une bien triste nouvelle. Il était notre seul agent dans la région. Cela signifie que c'est vous qui allez devoir nous servir d'agent. D'ailleurs, je ne vois pas de candidat plus apte. Après tout ce que vous avez fait pour l'humanité, vous l'avez bien mérité. Je vous nomme donc membre honoraire yes. de l'ordre de Prométhée. C'est trop cool. Oh bah, on était en train de, on était parti pour la crafter celle-là. La ceinture dorée, bon bah voilà, on l'a déjà faite. C'est cool. Ah ça va, c'est pas comme si j'avais croisé des membres de l'ordre de Prométhée tout le long du jeu. J'avais tué un titan, maintenant je fais enfin partie. Mon but est enfin... Enfin, le marché grouille Attends. À nouveau de monde. Presque trop. Un chariot a failli rentrer dans mon étal. Non. Ça, on va le garder. Bah du coup, on va... Ceinture dorée, on va la vendre. Fait plus de dégâts... Ouais.
8 de rien, 80 de résistance. On fait moins de dégâts. Oh, plus 20% en force. Trop fort ça. Kermès guide vos pas. Mais on a moins de vitesse d'attaque apparemment. On a encore une petite partie du Rhin à faire. Je pense que. Ouais, à voir. Bon, je vais m'arrêter. On n'est pas loin de Glauberg, mais bon. Regarde, c'est même dans le prochain épisode, c'est pas grave si. On n'est pas encore arrivé à Glauberg. Encore la musique qui est active de Corinth. Ouais, niveau potion d'énergie là ça commence à faire beaucoup trop d'utilisation. Bon, il va falloir que je trouve du meilleur stuff pour ça. Hein. Peut-être un truc d'absorption d'énergie, ça peut être cool. Ouais, chose absorption d'énergie. Ouais voilà. Qu'on avait avec le casque de Templier là. Mais c'était la contre-attaque donc. C'est seulement si je me fais attaquer. Ah, un berserk, non un berserk. Ulfeinard. Épée du corbeau tempétueux. Eh, tu gagnes une compétence avec ça, sérieux? Ah, et le bouclier de tout à l'heure, c'était avec ça? Merde. Ah non. Je sais pas. Moi j'étais. Quand c'était fait. Qu'on allait bientôt. On a failli mourir tout à l'heure contre les Nyx. J'avais eu un espèce de bouclier. Qu'est-ce qui m'avait donné ça? Ah, quand votre santé est faible, c'est ça. Ok. Voilà, comme ça j'ai une majesté de Serounos complète. On sait jamais. Quand même craquer une petite quête secondaire comme ça qui te donne un artefact déjà fait, tant mieux. Une petite griffe de loup là, non? Non. Il suffit pas de demander pour en avoir. Ouais, ouais, toi, si Visken là. Bah, allez. Ah, le problème, c'est que du coup, je les touche pas. Quoi, hein, on peut être craqué, mais. Avoir ses faiblesses, hein. Allez là. Il tire partout sauf où il faut. J'espère que tu fais pas ça. Non, non, j'allais. Non. Non, non, non. Je me suis retenu. Je vais dire une blague. J'allais faire une blague un peu trop. Olé, olé. Olé. Tan, tan, tan. J'ai bien une petite musique là. Ah, une potion d'énergie, j'adore. Ah, à défaut de chercher des potions de santé au début du jeu, maintenant on cherche des potions d'énergie. Enfin, au début du jeu. Tout le long du jeu, les potions de santé, on les cherchait. Mais... On a abandonné les potions d'énergie. Oh, en tout cas, avec les Nyx, on n'en a pas fini. Donc je m'en... Je le rappelle. Oh, il y a une héroïne, sérieux? Non. Aïe 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 aïe. Oh, wow. C'est Star Wars le truc, il y a des lasers de partout. Wow. Oh, son attaque de fontaine. Pff, je sais pas. Hein. Putain, elles sont combien?
Ça, espèce de jet d'eau, là, vous pouvez pas le faire. Vous avez pas de sort qui fait ça, hein. Du moins, pas à ma connaissance. Hein. Struana. Là, il tire des lasers. C'est Iron Man. Ah là. Oh, ouh, par contre, elle donne de l'or. Et l'or, j'adore. Bon, écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour cet épisode. Donc là, ben, on va bientôt arriver à Globerg. C'est ce qui sera le point final de cette partie de la quête principale. Allez, au nord de Globerg. Ouais, donc c'est après Globerg en fait. Enfin, donc, du coup, on est bientôt arrivé à Globerg. Étape de cette quête principale. Voilà, c'est mieux dit comme ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à, comme d'habitude, vous connaissez la musique, aller voir les vidéos des autres membres de l'association Growing Game sur la chaîne YouTube, à vous abonner également, à nous suivre sur Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, TikTok, Discord. J'en ai pas oublié, je crois. Non, je crois pas. Quant à moi, je vous dis ben, au prochain épisode, hein, en espérant que vous suiviez toujours avec intérêt et passion sur cette série. Allez, des bisous, à la prochaine. Tchuss.